Oui, salut à tous. Bon. Là, comme on peut le voir, je dirige la caméra sur la pompe de direction assistée. Et en fait, je suis obligé de m'en occuper parce que je l'avais détendu ou trop tendu. Et je suis en train de voir pour modifier un petit peu le tir parce que elle fuit un peu ma pompe. En fait, t'as fait beaucoup, hein. Je dois la refaire, quoi. Ah, mais en attendant qu'elle passe au contrôle gentiment, donc je m'en occupe, je la détends un petit peu parce que je l'avais trop tendue il y a quelques mois. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe pour la détendre ou la tendre, enfin la régler, quoi. Qui est un petit centimètre de jeu sur la courroie. Donc en gros pour se faire le jeu, on cale bien la caisse, hein, comme d'hab. On prévoit les chandelles, les bastings, si vous avez tout ce qu'il faut, quoi. On enlève la protection moteur. Bon, arrivé là, pour débloquer la pompe, hein, vous aurez quelques vis, il y a 3-4 vis, 3 vis. Hein. Alors, il y aura celle-là qu'on peut voir, celle-là qui est juste derrière. Vous voyez, il y a une lumière à régler. Et là, le galet tendeur, la vis tendeur pour le réglage, pareil, il y a un petit jour. Hein. Donc, il y aura une vis derrière. C'est tous des vis de 13. Hein. Donc, une fois ces deux vis-là, cette vis-là, il y aura deux autres vis. Bon, il y aura une vis qui est juste derrière. Pour ça que quand on remonte la durée de pompe à eau, il faut bien remettre le collier. Sinon, c'est la merde pour avoir accès à la vis de 13. On le voit, hein, je sais pas si on la voit. Une vis de 13 au fond, de toute façon. Si, là, on va faire la caméra. Il nous dira celle-là à desserrer un petit chouïa. Enfin, un chouïa. La débloquer, quoi. Le reste, pas besoin, parce que. Enfin, c'est juste des vis pour maintenir le support. Et il y en a une autre qui aura du mal à avoir accès. Bon, je sais pas si on va la voir. Si j'ai ma lumière, si j'ai ma lumière. Donc j'en ai une troisième, enfin une quatrième. Juste. On prend un peu de temps, il y a moins de soleil. Le soleil il commence à baisser quoi. Oh, il y en a une là. Donc ça sera. Juste la place qu'il faut pour pouvoir. Vous voyez, vous avez la clé quoi. Donc débloquer cette vis là, de toute façon, vous la verrez quand vous serez de ce côté là quoi. En dessous, quand on verra en dessous. Et pour avoir accès, c'est par le dessus. Donc on va débloquer cette vis là. Et puis après. Gentiment, on fait son autre réglage. Bon, c'est une vidéo très courte parce que j'ai pas montré mon réglage, ça sert à rien que. On va juste attendre, hein. Attendre avec la vis, c'est ce qu'il faut quoi. Bloquer une vis pour voir ce que ça donne. Ça va, on bloque l'autre vis. On vérifie. Si votre courroie a fait. 1 cm de jeu, c'est parfait quoi, c'est juste ce qu'il faut. Par contre, si vous en chiez pour c'est trop tendu du slip, c'est pas la peine, hein, faut redétendre. Hein. Donc, parce que ce que ça va faire comme moi, ça va appuyer sur le roulement qui est à l'intérieur, mais puis ça va le niquer quoi. Donc, vérifiez si votre roulement est à peu près correct.
Si j'ai un reflet de lumière. Eh ben, vous voyez, je sais pas si on va voir bien sur la caméra. Ah non, mon roulement il est mort. Enfin, j'ai toute la pompe à refaire, hein, du coup. Et c'est comme ça qu'on peut voir, en gros, hein, si votre roulement il est mort. De toute façon, vous le verrez, ça va fuir. Donc, pas le choix, vous ne verrez pas en faisant comme ça. Hein. C'est trop raide. Il n'y a que comme ça, si vous voyez que bah, votre roulement il commence à fatiguer. Vous savez qu'il y a une réparation à faire. Donc soit la changer, ou soit tout désosser et puis bah, refaire tous les joints et les roulements. Il y en a deux il me semble. Hein. Comme j'avais montré sur le poste. Donc il y a un roulement là. Il y aura le roulement bah, derrière quoi. Donc voilà quoi. Moi j'ai plus qu'à voir ce que je peux faire. Pour atténuer un petit peu la fuite, toi, juste pour qu'elle passe au contrôle gentiment. Voilà quoi, bah, il me reste un petit peu d'huile quoi. Alors, voilà pour le tuto vite fait quoi. Bon allez, ciao, ciao tous.